Salut à tous, c'est Kira, bienvenue sur une nouvelle vidéo et on va découvrir ensemble Donut County, un jeu indépendant. Alors quand j'ai trouvé ce jeu, je me suis dit en quoi ça pouvait consister. Parce que la description du jeu, c'est que c'est un jeu de réflexion narratif dans lequel vous manipulez un trou qui ne cesse de grandir dans le sol. Donc je me suis dit, mais quel est le gameplay du jeu? Quel est le but du jeu en soi? Donc c'est pour ça qu'on va découvrir tout ça ensemble et on va voir un peu ce que ça donne. Donc let's go, le jeu est en français et ça c'est cool. Nouvelle partie, allons-y. Maison de Mira. Oh, c'est bien foutu en tout cas. J'aime beaucoup cet effet 3D et 2D. Alors, Mira, quand est-ce que tu comptes venir travailler? Je m'ennuie. On va lui répondre. Chut, Becca. Attendez, mais c'est son... C'est quoi? C'est un raton laveur, ça? Je suis morte. Terminé. Un peu de respect. Ah, comment t'es morte? Encore un coup de klaxon? Le klax international. Le klax dans la tête. T'en fais pas. Je te vengerai. Fais attention à toi. C'est pas du klaxon d'amateur. Ouais, tranquille. Viens au donut shop. Et arrête de filer du pain à ton chien. Alors, je comprends strictement rien pour l'instant. Il lui en faut. C'est vital, Becca. Il tartine sévère. Bon, j'y vais dans 5 minutes. Salut. Ok. Bah, allons-y. Allons au Becca. Oh, Becca, mon dieu. Burger King. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Hop. On va ouvrir ça. Et on ouvre la fenêtre, je suppose. Donut County. C'est sympa, en tout cas. Le visuel est vraiment propre. Allez, on peut faire tomber les lettres avec le trou qui s'agrandit. Ah, je comprends, du coup. Plus on englobe de choses dans le trou, plus le trou grossit. C'est vraiment bien foutu. Hop, hop, hop. Est-ce que je vais pouvoir engloutir le personnage avec son scooter? Allez. Attendez, on va récupérer. Voilà. Les donuts. Là, normalement, il va tomber. Hein. Allez, vas-y, tombe. Tombe. Rentre à l'intérieur du trou. Rentre à l'intérieur. C'est trop cool. C'est tellement con, mais j'adore. Attendez, il y a encore des choses à ramasser là. Il y a des cailloux. On va récupérer les balles. Là, normalement, il tombe. Formidable. C'est sympathique. Donut shop. Donc on va devoir faire pareil à chaque level, c'est-à-dire engloutir le plus de choses avec le trou. Wow! Le klaxon... Mais attendez, c'est moi ou la traduction est juste mal faite ou alors je comprends strictement rien? Si je fais ça, il se passe quoi? Je peux envoyer un canard. Ah, arrête de me spammer de... Non, s'il te plaît. Arrête ça. Je veux juste... Ouais, t'inquiète, tranquille. Je vais y filer un donut. Ouais, d'accord. Ça a dû le distraire. Tu sais quoi? Je suis niveau 9 maintenant. Waouh! D'accord. T'as pas bien compris, Mira. Au niveau 10, j'aurai un quadcopter. Mais il joue à un jeu vidéo, je comprends pas je comprends vraiment pas l'histoire. Je comprends le gameplay, du coup, je vois où est-ce que le jeu va nous amener. Mais l'histoire, je suis totalement perdu. Ah ouais, mortel, bravo, on va buzzer comme des rois. Héhéhé. A plus, Becca. Ah, Becca, en fait, c'est le nom du raton laveur. Ok, j'avais pas compris. 6 semaines plus tard. Oh. Mira, pourquoi t'as défoncé mon quadcopter? Et là, on est dans le jeu? Peut-être. Lâche-nous un peu avec ton quadcopter. Pourquoi t'as bousillé toute la ville? 999 pieds plus bas. Donut County. On s'est réfugié sous la terre. J'ai rien bousillé du tout. Je suis quelqu'un de gentil. Hein? Mais lol quoi. Tu t'es servi de ton appui pour ouvrir des trous dans toute la ville. Mais c'est complètement barré cette histoire. Et maintenant on va tous finir engloutis. Y'a rien qui me choque ici. Hormis mon quadcopter. Alors si vous avez une explication, je veux bien dans les commentaires parce que là ça m'aiderait beaucoup. C'est moi la victime ici. Y'a personne pour soutenir. Becca, c'est trop clair que c'est toi. Je suis tombé dans un trou juste après avoir commandé un donut chez toi. C'est quoi le rapport? Donc tous les gens qui sont ici sont tombés dans le trou que Becca a créé, c'est ça? Avec Mira qui défonce mon quadcopter. Potter, où est passé ton fils? Oh, Pup, mon gentil fiston, il doit être quelque part. Donc tous les trous qu'on fait dans la ville, en fait, ça permet de ramener les gens
dans cette grotte en bas. Clic gauche pour déployer le trou. Là on va devoir engloutir tout ce qu'il y a sur cette carte, si je comprends bien. Ah voilà, enfin du gameplay. Allez, c'est parti. Hop, hop. On va devoir choper d'abord les plus petits objets. Donc toujours dans l'ordre. D'abord ça, je pense. La caisse. On va essayer de faire tomber. Voilà, on peut choper du coup le crâne. Ensuite, la caisse qui rentre. Et on termine par la valise qui devrait rentrer. Yes. Le gameplay par contre est top, hein. Je trouve ça vachement original. Donc c'est parti. Maintenant on passe encore un peu plus gros. L'histoire a l'air d'être aussi très originale, mais très compliquée à comprendre. On peut aller de l'autre côté, on va aller par là. Du coup le gameplay du jeu il me fait penser à un jeu que vous avez peut-être connu. Je crois que c'était un jeu sur PS2. On contrôlait une boule qui grossissait au fur et à mesure plus on absorbait d'éléments autour, comme des voitures, etc. Du coup là c'est un peu pareil, on se déplace dans la carte, etc. On absorbe des objets et on grossit. Du coup ça me fait énormément penser à ça. Et je trouve ça vachement cool. J'aime beaucoup. Parce que là on va pouvoir choper. Yes. On peut choper d'abord les caisses. Là on peut choper le meuble, logiquement. Très bien. Est-ce qu'on peut choper les briques? Ouais, parce qu'on peut les faire tomber de cette façon en fait. On peut les attraper sur le côté. Pareil peut-être pour cette personne. C'est trop bien comment il tombe. Voilà, formidable. Très bien. Donc maintenant, bon là ça va être assez simple, hein. On va tout récupérer rapidement, hein. Notre trou est tellement gros, on va ne pas sortir du contexte, bien entendu. Ce serait totalement débile. Voilà. Bon là on peut tout absorber facilement, hein. Y a pas de stratégie à vrai dire, hein. Hop, 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 hop. Il y a tout qui se casse. C'est pas grave, on peut récupérer les morceaux. N'est pas gênant. Hop. Et là, je peux récupérer le four, du coup. Yes. Très bien. Et ensuite, on va devoir choper la montgolfière, c'est ça? En fait, on doit récupérer son fils, si j'ai bien compris. Attendez, je vais récupérer le scooter. Toi, devrait rentrer le panneau, le four. Ah oui, d'accord, ok. Ça va craquer. Yes. Bon, toujours plus gros, hein, bien entendu. On continue. Hein. On continue notre ascension. Ah oui, d'accord. Donc maintenant, on peut avaler des rochers entiers. C'est incroyable. Oh mon dieu. Je vais pouvoir bouffer la maison bientôt. Hein. Les morceaux de donuts. Est-ce que je peux pas bouffer ce rocher? Non. C'est bien foutu, hein. Là. Ce rocher, je peux le bouffer maintenant. Yes. La maison. Ouais, totalement. Excellent. Belle livraison. Oui, c'est ça, en fait. On récupère les gens qui sont du coup sur la surface de la planète. Trashopédia. Le nom laisse penser qu'elle contient des objets de valeur. Ok, terminé. Donc là, on a récupéré un nouveau personnage. Je voulais lui faire une surprise, lui offrir un donut. Sniff, et voilà qu'il s'envole, Pup est tout seul. Mais non, si tu es tombé dedans le premier, comment sais-tu que Pup est dans le ballon? Ton histoire est pleine de trous. Excellent. C'est ton cerveau qui est plein de trous. Et la ville aussi, grâce à toi. Je ne fais que mon travail. Attends, pas du tout. Je suis innocent. Attends, Pup est dans la montgolfière? J'ai vu un ballon passer au-dessus du Ranger Station. T'as vu Pup? Il est parti par où? Je sais pas, j'ai été distraite. Je venais que commander un donut. Super. Le stress, ça me donne faim. Lol. Quel stress? Tu vas pas me croire. Des serpents. Donc en fait, ils racontent leur histoire à chaque fois, c'est ça? Donc en fait, on récupère pas des gens, c'est juste que là, en fait, on a des flashbacks de ce qui s'est passé, tout simplement. Et de comment on a atterri dans cet endroit. Là, vous avez vu que c'est un nouveau personnage. On va raconter son histoire. Oh, on attrape des serpents. Des serpents. Ah, ça me fait tout bizarre. J'ai pas énormément peur des serpents, mais... Moi, tout ce qui pique et tout ce qui mord et tout ce qui pique, ça me plaît pas énormément, quoi. Allez, hop, merci. Bon, le jeu a pas vraiment de difficulté en vrai, hein. On récupère tout ce qu'on trouve.
dans le bon ordre. Et c'est assez simple. Pas le choper lui? Si, yes. Merci. Yes. Des poules. Hop. Oh, what? Un serpent qui ressort du trou. Ah, attendez là, il faut faire attention du coup. Snake danger. Oh merde, à chaque fois qu'il nous repère, il déclenche le... il faut se cacher du coup, non? On peut pas le ranger le serpent, par hasard? Pas faire tomber la poule. Là, il va nous repérer. Je comprends pas trop ce qu'il faut faire du coup. Bon, c'est monter au niveau maximum. En fait, le serpent me gêne là, je peux plus rien absorber. Faut peut-être tourner ça rapidement. M'étonnerait. Il y a quelque chose à faire avec la machine. Peut-être qu'il faut propulser la poule quelque part ou. Juste avant, je disais qu'il n'y avait pas. C'est à chaque fois que je dis qu'il n'y a pas de difficulté et que le jeu est simple que je me retrouve bloqué. Je vois pas ce qu'il faut faire là. Ah, d'accord, fallait dévisser. J'avais pas fait attention en fait qu'on était en train de dévisser le panneau. Waouh! Formidable. Récupérons tous les serpents. Tous les serpents étaient dans ce silo. En fait, il fallait hein, déclencher les alertes. Hop. On finit toujours par les gros cailloux à la fin. Allez, salut. Et voilà. Donc en fait, tous les personnages vont raconter leur histoire, comment ils ont pu atterrir ici. Je pense que ça fonctionne de cette façon et on va voir l'histoire de tout le monde et comprendre bah, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est vraiment notre ami le comment il s'appelle là? Je sais plus. Enfin bref. Deka. Est-ce que c'est vraiment notre ami Beka plutôt, Deka, qui a fait tout ça? Je pense pas, tu vois. Tu devrais plutôt me remercier d'avoir réglé ton souci de serpent. Mais en plus, il dit que c'est lui à chaque fois. Il est horrible. Attends, c'est toi qui as ouvert ces trous? Et là, il va dire non. Hein? Non. Je disais que celui qui a fait ça, t'as bien rendu service. Ouais, bon. Beka. Arrête là, c'est sûrement un type sympa. Quelqu'un d'autre aurait vu Pop? Ouais, moi j'ai vu Pop dans mon télescope. Tu veux dire mon télescope? C'est ce que j'ai dit, mon télescope. Est-ce que tu l'as vu? Pepper et moi on s'est encore pris la tête alors j'ai bougé à Mint River. Il est amoureux d'un piaf? Et ouais, un piaf sacrément joli. J'étais en train de l'admirer et puis j'ai eu un petit creux. Alors j'ai commandé un donut sur l'appli Donut County. Et le trou est apparu. Ok, donc c'est à chaque fois qu'il commande un donut. Très bien. Allez, c'est parti. Alors, on va récupérer d'abord les petits cailloux. Oh non, on va avaler un chien. Le pauvre chien qui n'a rien demandé. Allez, tombe dedans. Merci. Il est ici. On peut même récupérer l'eau. Non, j'ai pas l'impression. Ah si, regardez, on a de l'eau du coup. On a de l'eau dans notre trou, alors est-ce que ça va pas gêner? Ah c'est bon, ça reste pas à l'infini en fait. Hop. Je pense que je peux faire quelque chose avec, peut-être lui faire boire de l'eau. Yes, je pense qu'il y a une stratégie avec ça. Ouais, il faut lui faire boire tout l'eau en fait, pour s'en débarrasser. Parce qu'il y a des poissons à l'intérieur. Pas mal. Hop, voilà. On va faire pareil avec cette eau. Je peux pas le récupérer cet oiseau, j'ai pas l'impression.
Allez. Parfait. Il reste quelque chose à récupérer du coup là. Ah bah là c'est bon, on peut du coup. Formidable. Oh c'était rapide hein, ce level là par contre. Comparé aux autres. Après c'est parce qu'on s'habitue peut-être. C'est possible. Waouh, t'es en train de dire que t'es amoureux d'un oiseau? Ouais, c'est légal? Becca, ça n'a rien à voir avec l'oiseau. Ça a carrément à voir avec l'oiseau. Mira, c'est carrément l'oiseau. Laisse tomber. Oh. Hein? Ah, laisse tomber dans le trou. Coyote, je croyais que t'étais parti dans le désert. J'y étais. Et Becca doit pas supporter les gars au fond du trou. Coyote, c'était toi le premier gérant du Donut County. Hein. Alors si des gens veulent s'amuser, si certains youtubeurs veulent s'amuser plutôt à faire une voix pour chaque personnage, bon courage parce que là, il y a du boulot quoi. Ouais, mais j'ai dû fermer boutique. Quand les raccoons ont débarqué en ville, je leur ai vendu l'affaire et je suis parti dans le désert. Oh non, désolé Coyote. C'est comme ça la vie d'un coyote, c'est comme une chanson de country. J'ai vivoté en vendant des légumes, c'était ma façon de me racheter. On va voir l'histoire du renard du coup. Bon, ça va être assez rapide là, j'ai l'impression que le terrain est pas si gros que ça. Hop. Faire tomber ça, on va récupérer les maïs. Le feu. Oula, 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 oula. On va brûler les oiseaux, tiens, bonne idée. Très bonne idée ça. Formidable. Ça devrait rentrer. Hein. Yes. Et la tente. Oh là là. Alors là par contre mon gars, c'est terminé pour toi. Hein. On embarque tout. C'est parti. C'est terminé. La pierre peut-être? Yes. Have a garbage day. Passer une sale journée. Sympathique. Bon les amis, on va faire un dernier level du coup. Enfin, c'est pas gay tout ça. Becca, tu n'as rien dit à Coyote? Ouais, les légumes ça pue. Ouais, lol. Je pensais plus à des excuses. Désolé que tu aimes les légumes. Peut-être que ça pue vraiment. J'ai un petit fait pour le sucre. Je vous ai commandé un donut. Tu vois, Mirin, pourquoi m'excuser d'avoir livré un donut à ce pauvre coyote mangeur de légumes? Tu l'as mis sur la paille deux fois. Et arrête de dire que tu livres des donuts. C'est quoi pour toi? Des donuts? Qui sait? Exactement, qui sait? Romain me comprend. T'as déjà vu un donut sans trou? Waouh, bonne question. Un donut sans trou. Un donut sans trou, c'est un... Non, ça n'existe pas, c'est vrai. Attendez, un donut sans trou. Est-ce qu'il y a des pâtisseries qui pourraient ressembler à un donut, mais qui n'est pas de trou? On devrait s'arrêter un long moment pour y réfléchir. Bah, je vois pas. Bon, un donut sans trou, c'est un donut quand même. Ouais, comme sur la confiture, les éclairs, les beignets, les trous de donut. Attends, les trous de donut n'ont pas de trous? Ils n'ont pas de trous, ce sont les trous. Wow, profond. C'est pas mal. J'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup l'humour qu'il y a autour, mais c'est vrai que l'histoire, elle est un... Il n'y a pas vraiment d'histoire en vrai. C'est des personnages qui sont assez attachants. Et c'est tout. Change pas de sujet, Becca. Nikki, Roma, vous venez d'arriver au Upper Springs, pas vrai? Oui, pour notre retraite. Pour regarder les lapins. Oh. De vrais lapins, Nikki et moi? 40 ans de mariage. Oh là là, bravo à vous. Vous aussi, vous avez commandé un donut? Roma a un nouveau téléphone. On a commandé des donuts pour fêter ça. Tous les personnages ici ont forcément commandé des donuts de toute façon. Bon allez, on va faire un dernier level du coup. Et on arrêtera là pour la découverte du coup de Donut Country. Le jeu est vraiment bon. Le jeu est vraiment bon. Après, bon, malheureusement, le gameplay s'arrête à ça, quoi. C'est de récupérer des objets dans un trou. Voilà. Donc, c'est soit on aime, soit on n'aime pas, hein, comme tout jeu, j'ai envie de dire. L'histoire est pas ouf, mais j'apprécie les personnages. Je trouve assez attachant. Voilà. Après, bon, ça c'est chacun. Moi, je peux pas trop. J'aime pas trop dire si un jeu est bon ou pas, parce que le souci de dire si un jeu est bon ou pas, ça dépend de la personne. Moi je donne mon avis, après c'est à vous aussi de vous faire un avis hein, sur la question. Ah oui, il faut manger la carotte. Mangez la carotte s'il vous plaît. Toi, mange la carotte. Attendez, c'est chiant là. Comment je fais du coup? Putain, je suis bloqué avec une carotte. Merde. Comment je fais? Non vraiment.
Attendez, attendez, j'ai une idée. On va devoir le ramener là, il va devoir revenir de ce côté-là en fait. Bon voilà, c'est pas uniquement des objets qu'on met dans un trou. Des moments, on a du gameplay, comme ici. Et là normalement il va pouvoir manger la carotte, yes. Pas mal, ça c'est cool. Ça c'est cool, c'est bien pensé. On peut avaler les lapins du coup maintenant? Allez venez. Merci. Ils sont multipliés à l'intérieur. Pas mal. Les gros baiseurs. Hop. On va pouvoir récupérer toutes les barrières. Allez, venez-vous. C'est reparti. Ah ouais. Balèze, hein. On va refaire pareil avec eux. Ah, attendez. Merci. Allez, c'est reparti. Cette vitesse de copulation. Oh! On est en train de propulser tous les bébés. Formidable. On récupère les derniers morceaux. Et voilà. Très bien. Eh bien écoutez les amis, on va s'arrêter là du coup pour cette découverte de Donut County. J'espère que vous avez apprécié. J'ai pas beaucoup parlé dans cette vidéo parce que déjà je comprenais pas trop l'histoire au début. Et j'ai eu du mal à me plonger dans l'univers. Là ça va un peu mieux parce que les personnages sont assez attachants. Et j'ai un peu compris le gameplay et bon, je comprends la chose, enfin c'est assez simpliste. Mais c'est vrai qu'au début j'étais en mode mais qu'est-ce que c'est que ce jeu quoi. C'est sûr qu'on pouvait pas comprendre le jeu sans le tester. Voilà, j'avais regardé les images et tout ça, je me dis mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on doit faire, c'est quoi le but. Là je comprends un peu mieux. Et je comprends un peu l'histoire, voilà de... Bon ils sont arrivés en bas à cause des trous qui les ont aspirés. On a des flashbacks et tout ça pour chaque personnage. Et on va devoir faire chaque histoire. Très bien. Et bah écoutez, merci à tous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bien entendu à la prochaine pour d'autres découvertes de jeux indépendants. Salut.